madame. Bonjour. Je suis venue me coiffer. En fait, je voudrais me coiffer avec mes restes parce que je vais aller où sont. Pas d'inquiétude, madame. Sans problème, je vais bien vous coiffer. C'est ici que vous vous coiffez. J'allais coiffer où, madame? Parce que la personne qui m'a envoyé ça a tellement vanté le salon en disant que c'était le jardin bien climatisé. Vous parlez de quel climat, madame? Ça, c'est la clim naturelle. L'air bio, vous respirez l'air bio. Vous n'êtes pas confortablement assise, madame. Vous n'êtes pas confortablement assise. Hey, ne me manquez pas de respect. Mais non, ce n'est pas que manque de respect, madame. La manière dont vous me tournez, là, c'est pas le confort qui fait le salon. C'est la coiffeuse. Arrêtez de me pointer ce machin. Non, 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 je vous dis que c'est le pain, c'est la coiffeuse de son pain. C'est la coiffeuse de son pain qui fait le salon. Vous voulez le bon travail ou quoi? C'est tranquille, je vous coiffe. Les filles qui sont en popio, au coiffeur en atoll là, les dames gardent les voitures avant de se coiffer. Et alors? Donc surtout que ce n'est pas le confort, ce n'est pas la clim là. Tu veux le bon travail, bien tu veux quoi? Tu veux le bon travail, bien tu veux quoi? Quel manque de respect ça? Quoi? Vous avez Poum? Poum c'est quoi? Vous n'êtes pas camerounaise. Si, si, mais Poum c'est quoi? Vous avez lâché par derrière, donc vous avez pété. Oh madame, ne me manquez pas de respect. C'est même pas un manque de respect, je ne vous manque pas de respect. C'est pas parce que mon salon n'est pas machiné que vous avez fait ça. À supposer que vous êtes dans les salons comme vous avez dit là, vous lâchez, vous faites ça. Hein? Et la concentration de ça avec la team, tout. La catastrophe, arrêt respiratoire. Alors qu'ici, là, le vent passe, le lait balaye tout ça, on tu respires, l'air pur, et bio. Tu as fini? Je n'ai pas fini. Les femmes qui sont au carrefour en attendant un bébé, elles coiffent, les dames gardent les voitures avant de se coiffer. Elles sont très bien coiffées. Et alors quoi? C'est pour vous dire que ce n'est pas le confort, ce n'est pas l'équipement qui fait le salon. C'est pas l'équipement qui fait le salon, c'est la confiance et son pain. Et ici, chez moi, on coiffe sur rendez-vous. Hein. C'est pas parce que vous êtes arrivé, vous m'avez trouvé là, que vous allez peut-être croire que c'est votre chance. C'est votre chance. Et enfin, je vois vos dents. Non, c'est que j'apprécie la coiffure que vous êtes en train de faire. Voilà! Je suis fière de toi. En tant que cliente et coiffeuse, nous avons besoin de voir nos douches. C'est vrai que nous avons besoin de nos douches. De la soirée. Madame, vous m'avez pas payé. Ah oui, c'est comme la causerie là nous a emporté. J'ai dû oublier. Excusez. Voilà. Les bons comptes et les bons amis. D'accord. À la prochaine, madame. À la prochaine, madame. À la prochaine. À la prochaine. Maman, les clients, on voit tout. Les clients nous montrent tout ici dehors. Ah. Moi, tu m'as quand même payé. Tu as payé mon argent. C'est bien ça. Merci Seigneur Jésus.